Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est FinTechSB, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je suis vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale comme d'habitude. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à tous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller dans la boutique d'objets et de faire la case soutenant un créateur et de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir des tickets de remboursement gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Première étape, ce que vous allez faire, vous allez partir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous allez partir dans vos paramètres et là, vous, simplement, dans quête d'opinion, vous allez bien activer l'option. Et dans recevoir des cadeaux, vous allez bien activer l'option. Une fois que ça c'est fait, là, vous allez faire envoyer une demande de remboursement. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai 0 demande de remboursement. Nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir 3 demandes de remboursement par la part de Epic Games. Du coup, ce que vous allez faire, là, vous allez faire envoyer une demande de remboursement. Là, ça va simplement pas marcher. Si vous allez faire un retour, vous allez retourner à la boutique d'objets. C'est vraiment super simple. Là, ce que vous allez faire un cadeau. Et là, simplement, vous allez sélectionner un ami à vous. Vous allez faire paquet cadeau. Vous allez cocher ce cadeau-là. C'est vraiment super simple. Vous allez faire le bouton confirmer et faire le bouton retour. Voilà, c'est vraiment super simple. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner encore au lobby de Fortnite. Là, vous allez revenir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Et dans recevoir des cadeaux, vous allez cocher à la case nom. Et dans quête d'opinion, vous allez cocher à la case nom. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez faire le bouton appliquer. Vous allez faire le bouton retour. Là, vous allez repartir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous allez partir dans signalement et retour. Vous allez cocher à la case. Une fois que ça c'est fait, là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique casier et salon. Vous allez cocher à la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Là, vous allez faire cocher la case encore une fois. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Comme s'il y a tout l'écran qui est bien screen. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez attendre le petit chargement en voie de finalement IP Games. Là, vous allez faire un nouveau retour. Ce que vous allez faire là, vous allez faire encore un retour. Vous allez revenir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Dans recevoir des cadeaux, vous allez cocher la case 8. Et dans quête d'opinion, vous allez cocher la case 8. Vous allez faire appliquer et faire le bouton retour. Vous allez retourner dans la boutique d'objets. Soutenir un créateur, accepter. Vous allez revenir dans votre menu. Voilà, c'est vraiment super simple. Dans signalement et retour, vous allez cocher la case encore une fois. Signaler un bug, vous allez descendre tout en bas. Objet cosmétique, voilà, c'est vraiment super simple. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Comme ça, Epic Games voit votre ticket et vous rembourse votre skin que vous possédez actuellement. Du coup, là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques petites secondes. C'est vraiment super simple. Vous allez faire le bouton continuer et accepter. Dans moi, tout simplement, ça va faire envoi du signalement à Epic Games. Voilà, vous allez attendre quelques petites secondes. Vous allez faire le bouton fermer. Et là, vous allez repartir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Dans envoie une demande, si vous avez toujours 0, normalement vous devez attendre 24 heures que Epic Games voit votre ticket et vous rembourse votre skin que vous possédez actuellement. Voilà, c'est vraiment super simple. C'était FinTechSB, en tout cas vraiment j'espère que cette vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale vous a. Je vous invite à tous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde.